Et salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Moi ça va nickel. Aujourd'hui on se retrouve pour un petit entraînement. Faut qu'on s'entraîne à l'enduro. Donc on fait hein. Voilà, déjà un petit peu moins galère que la première fois déjà. Après voilà, faut qu'on s'entraîne. Hein. Écoute, c'est comme ça, c'est comme pour tout frérot. Bon par contre, les freins qui ont pris un peu le WD-40. Là je le sens que ça se freine moins fort. On s'habitue à se tenir debout aussi. Donc voilà, faut doser. Il y en a qui vont me dire tiens Fada, tu freines de l'avant, mais ça après ça c'est l'habitude que j'ai pris au vélo. Tu freines 80% arrière, 20% avant. Fatigant. En ce moment je roule quasiment tous les jours, je peux te dire que mon corps il subit. Après voilà les gars, pour ceux qui font de l'enduro ou du cross, si vous habitez pas très très loin, tu vois, dans le sud principalement pour le moment, n'hésitez pas à me proposer si vous avez des beaux circuits ou des petits terrains d'enduro comme ça sympathiques. Bon attention, je suis pas encore en hard enduro et extrême, hein, donc ne me proposez pas des trucs infaisables pour moi. Mais voilà, des petits trucs comme ça, ça passe. Hein. Donc voilà, n'hésitez pas à me proposer. Voilà, franchement, se faire des petites balades à 4, 5, 6. Moi, ça me ferait bien kiffer. On s'entraîne un peu au monté aussi.
Putain, avec le trou en bas, elle est... Ah ouais, il y a une genre de mini rigole, il y a une toute petite rigole juste devant. Du coup, si tu la prends un peu fort, ça te tape le cul, c'est chiant. Elle, c'est pareil. Wouh! C'est gelé. Hop là. J'ai pas envie de me manger la petite branche. Là par contre, tant pis hein. Allez, faut y aller. Oh la vache. Ah, c'est pas toi qui voulais rouler dans la neige ? Eh ouais.